Excellent. Après avoir reçu le salut, je suis né de nouveau en 1962. Il n'y avait aucune personne qui m'avait enseigné. Et j'étais en train de souffrir, d'être erré de mon péché. Mais en lisant la Bible, j'ai réalisé le travail énorme de Dieu. C'était un travail de rêve. Dieu voulait me transmettre sa parole à une personne comme moi. J'ai écouté beaucoup de paroles, de messages. J'ai aussi lu la Bible et j'ai réalisé que j'étais un pécheur. En 1962, le 10 juillet, c'était la nuit. Dieu, dans mon cœur si ténébreux, il m'a donné la lumière en moi. Moi, j'étais dans le péché, j'étais trompée par le diable. Même si j'avais lu la Bible, je n'avais jamais imaginé que mes péchés étaient lavés. Mais le 10 juillet 1962, Dieu m'a fait réaliser cette nouvelle qui dit que je suis née de nouveau. C'est une histoire de rêve. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a fait un tel travail, mais Dieu a effacé tous mes péchés. Et à partir de ce moment, j'étais dans une église presbytérienne et j'ai commencé à prêcher l'évangile disant que nous sommes nés de nouveau. Le pasteur, même les anciens, prêchent que nous sommes pécheurs. Moi, je ne mange pas très bien, je ne suis pas riche, je ne suis pas si adulte, mais beaucoup de personnes ont commencé à ignorer ma parole. Mais dans mon cœur, j'ai prêché, disons, que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et beaucoup de pasteurs ont dit que je dois normalement être puni, je dois être maudit par Dieu, je ne dois pas même assister à la Sainte Cène à cause de la parole que je prêchais dans l'église. Au culte de dimanche, après avoir pris le déjeuner, beaucoup de personnes m'avaient persécuté pour le message que je prêchais. Une fois, je voulais ouvrir une porte et il y avait des personnes qui parlaient de moi disant « Ah, le jeune Oksu Park, il est vraiment bizarre. Comment est-ce qu'il peut prêcher que nos péchés sont lavés, que nos péchés sont purifiés ?» Une fois que j'étais rejetée, pendant ce moment, je pouvais entrer à l'école de mission. Même après être sortie de l'école de mission, il n'y avait aucune personne qui m'appelait pour que je prêche l'évangile. Mais je pouvais arriver à Courton pendant 9 mois. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu m'a conduit jusqu'à maintenant. Je n'avais pas du tout volé, je n'avais pas mendié envers les gens. Et c'est ainsi que j'avais passé les 9 mois. Mais je vois à quel point il y avait beaucoup de champs de fraises . J'avais tellement faim et que j'avais mangé des fraises et puis j'avais eu des maux de l'estomac. Mais une fois qui que je rencontre, je vois à quel point le Seigneur est avec moi. Aujourd'hui, dans 1 Roi chapitre 7, Élisée, en écoutant la parole de Dieu, il a dit « Demain à 7 h, il y aura une mesure de fleurs de farine et une mesure de... » Et dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, il est dit...
Dans le temple, il y avait deux lépreux. Il a dit, comment est-ce que nous pouvons être ici? Allons dans la ville de Samarie. Jusqu'à maintenant, les lépreux ont suivi leurs pensées, mais une fois que la parole de Dieu est entrée dans leur cœur, la parole de Dieu a commencé à guider leur cœur. Pourquoi nous devons être assis ici? Que nous soyons ici, que nous soyons là, nous allons mourir. Capitulons, essayons de capter dans la ville de Syrie. Et Dieu leur a donné ce cœur. Au verset 9, il est dit, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alors l'histoire de ce lépreux représente notre histoire. Beaucoup de personnes sont en train de fermer leur bouche en ne prêchant pas l'évangile, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Beaucoup de lépreux n'avaient pas cru en cette parole. Beaucoup de personnes qui étaient en train de mourir dans la ville de Samarie Dieu a montré comment est-ce qu'il va travailler. Beaucoup de personnes ont commencé à dire « Ah, venez, regardez, venez ici, dans la ville de Samarie, nous n'avons rien. » La nuit, le roi, en écoutant cette nouvelle, parce que le roi, il a le ventre rempli. Il ne connaissait pas la situation actuelle. Alors, cette histoire représente l'histoire de l'Évangile. Avant de recevoir l'Évangile, nous étions enfermés dans le péché, mais une fois que la parole de Dieu est entrée dans notre cœur, ces lépreux, ils étaient simplement assis devant la ville de le temple. Et une fois que Dieu leur a donné sa parole, ils ont commencé à avoir une pensée différente. Une fois que nous asseyons ici, nous allons mourir de faim. Qui nous apportera à manger? Pourquoi nous restons ici? Allons dans la ville de Samarie. Là, même si nous mourons, ou même si nous soyons en vie, allons là et voyons ce que Dieu fera pour nous. Dans notre église, lorsque nous voyons les fidèles, les frères et sœurs, nous avons beaucoup de personnes qui n'acceptent pas l'Évangile. Même s'ils acceptent l'Évangile, il y a des personnes qui sont toujours à la porte de Samarie. Mais une fois que la parole de Dieu entre en nous, Dieu travaille pour que nous puissions mener la vie comme Jésus. Une fois que cette parole entre en nous, Dieu travaille. Et nous ne pouvons pas rester les mains croisées en ne prêchant pas l'Évangile. J'étais allée en Tanzanie. Il y avait plus de 2000 personnes qui se sont réunies sur le lieu et ils ont tous commencé à être debout quand je prêchais et ils ont commencé à danser. En tout cas, en prêchant cet évangile, mon cœur était tellement chaleureux et ému du travail de Dieu.
Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens reçoivent le salut et ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont très heureux. Il y a beaucoup de personnes de l'étranger qui viennent en Corée pour participer à notre programme. Ils viennent en Corée pour rester pendant une semaine, pendant 10 jours. Et ils sont tous surpris du travail de l'Évangile que nous avons. Même aujourd'hui, Dieu a plusieurs personnes est en train de prêcher l'Évangile que nous n'avons pas eu. Mais dans la Bible, il y a toutes les paroles qui sont enregistrées. Nous avons beaucoup de personnes qui suivent la parole. Un jour, ces lépreux ont commencé à réaliser. Nous n'allons pas rester assis en mourant de faim. Que nous soyons ici à la porte de Samarie, nous allons tous mourir de faim. Allons dans la ville de Syrie. Là, on voit à quel point Dieu travaille. Même en commençant par ramper et par plusieurs méthodes, ils ont commencé à se déplacer pour aller dans la ville de Syrie. Bien-aimés, ayez toujours dans votre sac la Bible, où que vous soyez dans la voiture, dans le bus, que vous puissiez faire sortir cette Bible pour prêcher l'Évangile aux autres ou pour encore une fois lire et écouter la parole de Dieu. Et vous allez sans cesse trouver l'énorme travail de Dieu en nous. Avant d'organiser la cantate, beaucoup de pasteurs, avant la cantate, se sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Nous leur avons offert une très bonne place pour suivre la cantate de Noël. La majorité des personnes ont reçu le salut et ils sont tous surpris. Dieu, aux 10 lépreux, a donné un nouveau cœur. Que nous soyons ici ou où que nous soyons, nous allons mourir. Donc, allons dans la ville de Syrie. Et donc, Dieu a donné à ces lépreux un nouveau cœur. Comment, jusqu'à quand nous allons attendre ici pour mourir? Que nous soyons ici, nous allons mourir. Allons au camp des Syriens. Allons dans le camp des Syriens pour suivre la conduite de Dieu. Verset 19. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 19, il est dit... verset 9, il est dit, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Dans le cœur des lépreux, ils étaient tous remplis de pensées, de faim, d'inquiétude, mais Dieu leur a donné un... nouveau cœur. Jusqu'à quand nous allons attendre ici pour mourir de faim? En 1962, le 10 juillet, j'ai eu un cœur que je n'avais jamais eu auparavant. Auparavant, je péchais, je mentais et je me considérais comme étant pécheur. C'est vrai que je suis pécheur. Mais une fois que Jésus-Christ meurt sur la croix, mes péchés sont lavés. Et nous avons cru en cela.
Une fois que nous prêchons l'évangile, Dieu a ouvert le chemin pour que le monde entier puisse recevoir le salut. Les lépreux avaient eu au début leurs propres pensées et ils étaient tous à la porte de Samarie, mais une fois Dieu leur a donné un nouveau cœur. Une fois que le cœur était entré en eux, une fois que la parole de Dieu est entrée en eux, ils ont commencé à se dire, allons au camp des Syriens, allons prêcher l'évangile. C'est ainsi que Dieu nous guide. Si vous êtes guidé par le Seigneur, si vous êtes guidé, moi, j'ai rencontré plusieurs sortes de situations. J'ai même été jugée. Les policiers ont commencé par faire des recherches. Et le jugement avait commencé le lundi. Puisque le vendredi soir, le samedi et le dimanche, je ne pouvais rien faire comme pour donner des preuves, pour dire que je n'ai aucun mal. Dieu est en train de nous guider minutieusement. Même s'il semble que nous vivons en grosso modo, mais Dieu, il est toujours en train de nous guider. Ils ont commencé à dire, allons informer la maison du roi. Allons au camp des Syriens pour prêcher l'évangile. Parce que la parole de Dieu était remplie dans leur cœur. Une fois qu'ils sont allés dans le camp des Syriens, ils ont commencé à manger plusieurs plats délicieux. Il ne suffisait que de manger. Ils ne savent pas qui a commandé, mais on peut voir à quel point ils étaient très heureux. Ils ont donc, avec deux mesures, une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, c'était tout ce qui leur restait. Mais Dieu continue à travailler pour que nous fassions tout le travail qui nous est donné. Beaucoup de personnes, ils ont le fardeau de faire le travail de Dieu. Mais si nous pouvons essayer une fois, deux fois, dix fois et même cinq fois des choses qui sont un fardeau pour nous, nous pouvons les surmonter. Mais beaucoup de personnes, après avoir reçu la rémission du péché, ne mènent qu'une vie simple sans vouloir prêcher l'évangile en Dieu. Dieu est en train de nous conduire ainsi. Dans la ville de Samarie, je pense qu'en Israël, il y avait quatre statues des lépreux. C'était des personnes qui étaient méprisées par les hommes, mais en étant conduits par Dieu, même aujourd'hui, dans notre cœur, Dieu est en train de travailler pour que nous continuions à prêcher l'Évangile.
Une fois que nous suivons la parole de Dieu, ce qui est étonnant, c'est que Dieu travaille pour nous. Et à partir du lendemain, c'est Dieu qui travaille pour nous. Que nous ayons des difficultés, des maladies, une fois que je vis pour l'Évangile, Dieu, par sa grâce, travaille pour que nous puissions les surmonter, les vaincre, et pour que nous puissions vivre pour l'Évangile. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de manière précise l'Évangile caché en Dieu. Si nous prêchons l'Évangile de Dieu, à quel point Dieu nous considérera en une personne précieuse? Dieu continue à faire ce travail pour nous, mais parce que nous avons un cœur sombre, nous n'avons pas réellement le cœur de Dieu en nous. Le verset 9, il est dit, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la ville de Samarie. Si nous ouvrons la parole, Dieu travaillera. Pour la nouvelle année, que nous puissions prêcher l'Évangile pendant toute notre vie et nous croyons à quel point ce moment sera un moment de pleine grâce pour nous. Pour l'année 2023, que vous soyez des lépreux devant la porte de Samarie, et Dieu aimerait vous établir comme des serviteurs précieux de Dieu, que vous puissiez accompagner la parole de Dieu. Et pour l'année 2023, que le Seigneur puisse vous guider. Merci.